L'eau oxygénée sur le luminol, c'est parti, réaction chimique, observez bien la lumière produite. Vous me dites si vous voyez quelque chose. Si vous ne voyez pas bien, au pire, il y a l'écran. Vous arrivez à voir quelque chose? Non. Non. Pourtant, là, la réaction, elle est démarre. On voit quelques reflets. Et ça, c'est les reflets de la salle. Là, la réaction, elle a démarré, mais vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas parce qu'elle est beaucoup trop lente. Alors, cette réaction, elle sera terminée dans à peu près 6 mois. OK? Oui. Elle va prendre à peu près 6 mois pour se faire complètement. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent en Chine. Les réactions, elles ne sont pas toutes rapides. Seulement, je ne vais pas vous demander de rester 6 mois ici. Car il existe des moyens pour accélérer. Maintenant, si vous revenez dans 6 mois, ça ne fera pas plus de lumière. Car en fait, comme elle se fait sur très longtemps, ça libère trop peu de lumière pour qu'on puisse la voir avec les yeux. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'accélérer. Faire en sorte qu'au lieu de se faire sur 6 mois, elle se passe sur, 30 secondes. Donc toi, tu mettrais du colorant dedans. Toi, tu mettrais du colorant, c'est pas ça la meilleure technique pour accélérer une réaction chimique. Alors, touiller, pour que ce soit bien mélangé, je l'ai fait tout à l'heure un petit peu, ça ne va pas permettre de produire plus de lumière. Faire bouillir. Faire bouillir, très bonne idée. Là. Souvent, quand chaud, ça accélère une réaction chimique. Mais dans le cas de celle-ci, ça ne va pas marcher. Mais de l'eau chaude. Elle tient. Non, mais c'est vrai, vous avez dû utiliser l'eau chaude, c'était pour quoi d'ailleurs? Pour le carbone. Voilà, le CO2, le CO carbone. Vous avez soufflé dedans, c'est ça? C'est ouais. Comment? Les deux métros. Voilà, ça peut être fou. Et bien là, l'eau chaude, ça ne va pas du tout servir pour lancer la réaction. De l'oxygène? Ah! Non. Du dioxygène? En fait, ce qu'il faut faire, c'est un truc qui est très utilisé en chimie. Là, en quelque sorte, on a deux produits qui ne se rencontrent pas parce qu'ils sont trop timides. Vous, comment est-ce que vous faites? Quand il y a quelqu'un qui vous plaît, mais que vous êtes trop timide pour aller voir cette personne, vous n'allez pas la voir et il n'y a pas de réaction chimique. L'animation est terminée. Non, il y a des fois où on peut utiliser des petites astuces. Quoi, t'as une idée? On va la voir, oui, mais c'est pas timide. Alors, souvent ce qui se passe avec... on offre un cadeau, c'est pas mal, c'est bientôt Noël. On envoie... Voilà, on envoie quelqu'un, un entremetteur, ce qu'on appelle. Moi, je faisais beaucoup ça pour les télés. Eh bien, en chimie, on fait la même chose. On utilise un entremetteur chimique, ce que l'on appelle, il faut bien souvenir ce nom, parce que ce mot-là, vous le rencontrerez souvent, ce qu'on appelle un catalyseur. Catalyseur, c'est ce qui accélère les réactions. Eh bien là, le catalyseur pour cette réaction est contenu dans cette fiole. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà utilisé des fioles comme ça. Ça s'appelle comment? Pas de Becher. Erlenmeyer, exactement. Alors là, le produit a un nom un peu barbare, c'est ferricyanure potassium. Là. Normalement, ça lance la réaction. Vous êtes prêts? On y va. Et une toute petite quantité suffit. À quelques gouttes, cela permet à la réaction de démarrer et cela vous produit de l'air. Ah oui, hein, c'est vrai que là, je vous fais un peu... Un petit peu... Ah, alors, là, je peux faire que la couleur bleue, mais je peux changer la couleur si je veux en utilisant des produits fluo. Allez, je mets tout. Et donc là, ça libère beaucoup d'énergie sous forme de lumière. À votre avis, c'est chaud? Non. Non, ça chauffe pas du tout. C'est ça la chimie luminescence. Ça fait de la lumière sans que ça chauffe. Exactement, c'est ce que tu m'avais dit toi aussi tout à l'heure. C'est ce qu'il y a dans les sticks lumineux. Cette réaction qui peut paraître extraordinaire, vous l'avez déjà faite si vous avez déjà utilisé des bâtonnets lumineux. Alors j'en ai quelques-uns ici. Ah ouais, quelqu'un sait comment ça fonctionne? Non, les craques. Ah non, tu vois les craques après. Alors pour les craques, c'est ça. Je vais montrer comment ouais, ça marche. C'est ça. Voilà. Quelqu'un d'autre peut faire ça. Ah, par ici. Comme là. Alors maintenant, il faut les allumer. Voilà, donc là, vous les avez craqués. Alors voilà, vous sentez que vous claquez quelque chose hein, quand vous le pliez. Alors, je ne peux pas en donner trop parce qu'après j'en ai plus pour les.
Donc là, vous êtes en train de faire de la chimie. Quand vous claquez le bâtonnet, vous mélangez les produits chimiques de la même manière que j'ai fait quand moi j'ai versé. Quand vous claquez, ça mélange les produits. Donc ça, les réactions comme ça, on les voit dans les bâtonnets. Mais il y a des animaux aussi qui produisent de la lumière grâce à la chimie. Oui. Les lucioles, voilà, les lucioles, c'est dans leur corps, hein, elles font des réactions chimiques qui produisent de la lumière comme ça.